Donc, tu as commencé, ça a gagné deux vendredis de cela. Il y a un passage dans le livre des Psaumes. Et nous t'es en première partie, partagé avec en première partie. Après-midi, on a continué. Et titre message, nous, c'est même titre nous t'es gagnant, c'est la soif de Dieu dans le désert. La soif de Dieu dans le désert. Que nous tirer dans le livre des Psaumes, le chapitre 63. Psaume 63, la soif de Dieu dans le désert. Bon, on relit somme là encore pour mettre nous dans l'esprit méditation. Quand tu as sous pas gain Bible, suive avec moi, respectez parole là dans le cœur. M'appelez pour vous, bien-aimé. Psaume 63, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est somme ça, nous t'ai commencé, on a campé dans deux premiers versets. Et nous t'ai vendredi qui saute passé à bien-aimé, on coquine chaîne déclaration que David t'ai fait. D'expliquer, même si je ne pas étalé sous contexte là, que David retrouvait dans le désert de Juda à cause. Petit garçon, le troisième petit lit, Absalom, t'as poursuivi lui pour une question de pouvoir. Absalom mettait en paquet l'autre monde, lui prend pouvoir, non mais papal. Et qu'on y a David obligé fuir avec un paquet l'autre monde avec lui pour éviter confrontation avec petit lit Absalom. Et c'est dans fuite que le pral retrouvé dans le désert de Juda, et c'est là le pral écrit somme ça. Nous David commençait pour le dire, bon Dieu, il parle fond déclaration pour le dire, bon Dieu, l'a cherché. Et nous t'expliquons, avant toute bagaille, qui ça, le David pour le parler de soif de Dieu, qui sa soif l'a dit. Au verset 2, David commençait pour le dire, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Nous t'expliquons comment déclaration ça, le David a dit tu es mon Dieu, c'est marque une relation intime et personnelle avec mon Dieu. Des printemps pour moins détailler, c'est pas tout le monde qui carré les bon Dieu, mon Dieu. C'est pas tout le monde qui a fait déclaration ça. Ou besoin pour faire déclaration ça, gagner une relation intime et personnelle avec mon Dieu. Nous t'expliquons qu'il y a de monde qui a branché sous bon Dieu l'autre monde. Ou qu'à commencer avec bon Dieu l'autre monde, mais à un certain moment dans la vie ou en tant que chrétien, ou obligé de bon Dieu pas. Ou pas qu'arrêter dans la prise tout le temps. Ou pas qu'arrêter dans Combelande tout le temps. Et m'te bon plusieurs exemples, côté ou doit passer de la prise à compte pas. David continue pour le dire, et nous t'ai ça tout vendredi, de vendredi de cela. David dit, je te cherche, mon corps soupire après toi. David pas non déni de réalité. David a fait face à une réalité physique réelle. Il n'a pas nié cette situation-là. Mais en même temps, il n'a pas quitté situation envahie. Il n'a pas quitté situation submergée. Pendant David dans le désert-là, il est conscient qu'il est dans le désert. Cependant, au beau milieu du désert, il dit, l'a cherché mon Dieu. Ça me darait mon comprendre pour nous continuer avec passage ça aujourd'hui. L'on situation a fait face à elle, il y a une bagaille qui est très très important bien aimé pour comprendre. Il est très facile pour cette situation submergée ou il est très facile pour tout l'esprit ou occupé, préoccupé, il vient créer anxiété. Ou qu'arrive un côté pour dormir ou pas qu'à dormir, tellement on est dominé par situation, tellement problème n'a dominé. Et c'est exactement ça, David, pour le banou, enseignement pour nous éviter. Pas quitter situation, yo submerger nous. Et concrètement, très concrètement, David pour le dire, nous, qui ça pour nous faire, le nous dans situation comme ça? Qui ça pour nous faire, pour nous pas quitter situation, yo pour nous aller? Enseignement, ça, c'est enseignement, je pense, qui gagne pile application dans la vie, nous. On va regarder ensemble, qui ça, David a dit au verset 3. M'appelez pour vous. David dit, ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges.
Je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Ça, c'est le verset 3. On nous font camper là. Par contre, sous remarquer, David commençait avec un autre terme, le terme de contemplation. Dans la Bible, thème ça, son thème qui est très récurrent, son thème qui vient souvent, nous lit souvent. Et c'est un thème que David personnellement aimait utiliser. Par exemple, l'on applique dans Somme 27, le verset 4. David dit, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire adamant. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » C'est le même thème contemplation, on nous joint dans le Somme 27, verset 4. Dans le Somme 46, verset 8, on l'autre Somme nous connaît bien, David dit, « Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. » Donc, grand pile l'autre passage, grand pile l'autre somme, thème contemplé, son thème David utilisé souvent. Et mot ça, contempler, ou terme contemplation, il décrit deux réalités. En d'autres termes, il y a deux façons yon moun ou capable contempler, bien aimé. Ou ka gen yon vision, ou gen wala, ou chita, mais ou gon vision. C'est comme si m'ta dit ou transporté, ou ravi en esprit. M'pense son expérience comme ça, l'apôtre Paul t'a fait, le dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2, apôtre l'an dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Expérience ça, son expérience, quand on a une vision, moun qui autour de vous pas rien, mais ou même c'est comme si c'est corps qui l'a, mais l'esprit étant ravi avec Dieu, quelque part ou contempler un bagage que l'autre moun pas ka wè. Et moi penser c'est même expérience ça, Étienne t'a fait. L'on lit dans Actes chapitre 7, verset 55-56, Étienne dit, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, il dit, je vis la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu, dit Étienne. M'tareme ou rappelo circonstancio, pendant y a lapidé Étienne, ou probablement qu'on est, Étienne c'était premier chrétien martyr qui était gagné. Ses premiers moun y ont été lapidé pour la cause de l'évangile. Et si m'de vle takine diak nou yo asoya, m'ta rappelé yo que Étienne c'est ton diak, premier moun qui était perdu ville pour la cause de l'évangile, c'est ton diak. Même pas takine diak yo. Ça me vle dit nous, c'est que pendant y a lapidé ko Étienne, Étienne même a contemplé la gloire de Dieu. Pendant ko physique là, les livré au terrestre, l'esprit getan non l'autre dimension la contempler la gloire de Dieu. Donc premier sens t'aime contempler à gain bien-aimé, li gain sens yon moun ki kite ko sa, ki rentre non expérience même décrit des fois le pa ka décrit, li transporté non l'autre dimension et la contempler la gloire de Dieu. Ça c'est première façon yon moun ou ka contempler. Cependant, gon deuxième façon ou ka contempler, c'est ou conscient, c'est avec intelligence bon Dieu ba ou là ou conscient, mais ou décider repasser les merveilles de Dieu, les bienfaits de Dieu, expérience ou gagner avec bon Dieu. Là ou non forme de contemplation, côté même Jean auteur chant Abdi, ou râler bienfaits bon Dieu yo, ou commencer compter bienfaits bon Dieu yo. Ça a tout, c'est une autre forme de contemplation. Ma comprendre bien contemplation, il gagne un secret là-dedans. Et selon ça m'a comprendre dans passage là, t'assemblé bien-aimé moun qui retrouvé yo souvent dans des situations difficiles, yo ta doué contempler pi souvent. La contemplation, ça le fait les transporter de yon état présent physique terrestre à yon état futur spirituel et céleste. Contemplation les transporter de yon état présent physique terrestre à yon état futur spirituel et céleste. Tendez bien, bien-aimé, m'pa ta remen nou rate ça. David dit,
l'a cherché bon Dieu dans le désert, mais l'y contempler bon Dieu dans le sanctuaire. Pas besoin de détailler en pile, le sanctuaire nous connaît l'y représenter la maison de Dieu, côté bon Dieu habité. David a cherché bon Dieu dans le désert, mais l'y contempler bon Dieu dans le sanctuaire. En d'autres termes, dans la contemplation, David transporté du désert à la maison de Dieu. Les on en mitant moment trouble, l'on en mitant gros passe, l'on en mitant gros vent, gros tempête, l'on en mitant désert, quelle que soit nature désert. Bien aimé, c'est pas moment pour nous youn, nous bay attention nous, pour nous focus sur désert. C'est pas moment pour nous absorber par le désert. C'est pas moment pour nous quitter problème non. Li posséder nous. Vous connaissez une erreur, moi-même moi coupable de ça. Lorsque vous vivez une situation difficile, un problème ou rentrer dans problème non, comment c'est décortiquer. Hein, ou c'est comme si m'ta tout, ou passer problème non au peigne fin, ou décortiquer problème non, ou détailler problème non. Non. Lors non problème, c'est pas moment où t'as dû rentrer dans forme de détail ça yo. Oui, ou reconnaître ou non mi-temps désert. Oui, ou reconnaître ou non situation difficile. Mais ou pas laisser absorber par situation. C'est moment au contraire pour contempler bon Dieu non problème non. C'est moment bien aimé pour nous quitter désert pour nous rentrer dans sanctuaire. Darem on fait attention à ça David Abdila. David dans le désert, li nan désert là, l'a cherché bon Dieu pendant le nan désert là, le rentrer dans contemplation, contemplation c'est dans le sanctuaire. Donc li quitter désert là, li rentrer dans le sanctuaire, dans la contemplation. Gayon switch, si m'ka dit le comme ça qui fait dans l'esprit. Bien-aimé, tendez ça bien. Ou connaît et m'connaît ou fait expérience peut-être plus ou fouye zone dans kalalou yon problème. Alors aswa m'a parlé bon créole la net. Plus ou fouye zone dans kalalou yon problème. C'est plus ou joine problème dans problème nan. Et puis soit tande a ou te commencé avec un petit problème ou te gagnen. Kounya la c'est pas ou même qui gen problème nan, non c'est problème nan qui vinn gagnen. Problème nan vinn posséder ou. Au point que dormi ou pas pou ou pas ka dormi, dormi ou pas sous contou. Quand il y a ces problèmes, on peut décider qui l'a ou pas dormi, qui l'a ou pas dormi. Ou t'as mettre vle fonti dormi ou pas ka dormi parce que ça qui passé. Au lieu c'est ou même qui gagne un problème, problème nan vinn gagne, problème n'a joie avoir. Parce que tout simplement attitude là par rapport à problème là, c'est pas la bonne attitude. La contemplation de Dieu dans son sanctuaire, dans sa maison, c'est ça David fait. Pendant l'inan désert là, la contempler bon Dieu dans le sanctuaire. Maintenant, mais ça me veut nous comprendre. Qui objectif contemplation? Pour qui soit doit contempler lors non situation difficile. Contemplation, objectif li, c'est pour ouais puissance à gloire bon Dieu. On garde ça qui rive bien aimé. Lors adopter la bonne attitude au milieu du désert. Au verset 4, n'appelez verset 4 à 6. David peut commencer par dire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Les oufines fait switch n'a pas l'air. Lors quitte désert pour rentrer dans sanctuaire, automatiquement ou rentrer dans un mode louange et adoration, ou passer de un mode au monde qui était possédé par un problème, ou passer de un mode au monde qui t'a décortiqué un problème, à un mode adorateur, un monde qui a loué bon Dieu n'a mis tant problème non. Tendez bien ça David dit. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Par contre, soit réalisé, non, bien-aimé. C'est un homme où t'as dit qui dans le désert, oui, qu'a parlé là. Dans le désert, ville exposée,
Dans le désert, il y a un paquet de monde qui a poursuivi pour venir attenter à ville. Mais qui déclaration l'a fait? Car ta bonté vaut mieux que la vie. Alléluia. Mes lèvres célèbrent tes louanges. C'est comme si Mdadou son monde a fait bon qu'à parler là. Ta bonté vaut mieux que la vie. Et Bamdou, un élément peut-être qui a aidé à comprendre pour un Israélite, pour le dire en parole comme ça, son parole très très fort. Parce que dans valeur yo, la vie, c'est bagay qui est précieux pour un Israélite. Même jusqu'à présent, pour un juif, la vie son bagay qui est précieux. Donc pour David dit, ta bonté vaut mieux que la vie, son gros déclaration. Déclaration ça, c'est résultat yon monde qui a contemplé la gloire de Dieu, quand bien même li dans le désert. Parole ça, li pas semblé parole yon monde qui dans le désert. Non, parole ça, c'est parole yon monde qui dans le sanctuaire. Cependant, soit continuer le passage là, bagal en parité là. Lors continuer dans le passage là, non seulement David dans yon mode louange, non seulement David dans yon mode adoration, kou li a nan bouche li, ou kon ki parole ki pral soti, c'est parole l'espoir, c'est parole la vie. En nous regarder dans verset 5 qui sa David pral dit, et nous pas campé jusqu'au verset 7. David dit au verset 5, toujours le psaume 63, je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Nous prenons sang pour garder verset en bien, verset 5 et 6. Et garder qui verbe David utilise la donne. Et garder dans qui temps l'a conjugué verbe sa yo. David a conjugué verbe au futur. Pour yon homme dans le désert, on groupe moun de yel, pour yon tout yel, qui verbe l'a conjugué bien-aimé, c'est verbe au futur. L'a conjugué la vie, l'a conjugué espoir. Je te bénirai donc toute ma vie. C'est comme si David connaît là, dans niveau lié là, il n'y a pas de temps pour question, ça passe en bas. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. David est en train de conjuguer la vie au futur. Remarquez, David n'a pas dit, Seigneur, si vous mettez-moi dehors, m'a fait louange. Seigneur, si vous retirez-moi dans le désert, m'a chanté pour vous. Non. Pour qui ça? Parce que switch l'a fait déjà. C'est comme si David pas dans le désert encore. Oui, physiquement, il est dans le désert. Mais dans la contemplation de Dieu, dans le sanctuaire, réalité physique désert vient fade. Kouliéa, c'est projet la vie qui a parlé. Kouliéa, c'est projet louange qui a parlé. Kouliéa, c'est projet célébration qui a parlé. Tout simplement parce que, dans le problème, non. David vient adopter la bonne attitude. Dans le verset 7, psalmiste a continué. Libral dit, lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. Pendant David dans la contemplation, David pral ba nou l'autre déclaration extraordinaire. David a dit nous, pendant mon vie privée, pendant mon moment, comme si moi pour compte moi, je pas possédé pas problème, non. C'est résultat là-bas, oui, là, la bon résultat, l'on en contemplation, l'on arrive qu'on y a pour régler à fort ou besoin de dormir, l'on en vie privée ou pas, problème n'en pas possédé ou pas préoccupé, parce qu'on est en switch attention déjà. Qui soit fait ou méditer sur Dieu pendant l'éveil de la nuit, problème pas coupé sommeil David, parce que sur sa couche, il médite sur Dieu. Bien-aimé, par contre, sous réaliser profondeur, passage là. Sauti dans le désert, rentrer dans le sanctuaire. Comment? Nous te apprendre, oui, pour nous prier. Nous avons en pile, encouragement, exhortation, méditation sur la prière. Nous te apprendre pour nous adorer, bon Dieu. À ce à nous apprendre, contempler, bon Dieu. Apprendre, contempler, bon Dieu, bien-aimé. Contempler au beau milieu des difficultés. Contempler la gloire de Dieu au beau milieu du désert. Le tout bagay autour de vous semblait praler vers la fin. Contempler la gloire de Dieu.
Et c'est exactement ça David fait. La soif de Dieu dans le désert les conduit à la contemplation. La soif de Dieu dans le désert conduit à la contemplation dans le sanctuaire. La contemplation dans le sanctuaire conduit à la louange. Et à la louange conduit à des paroles de vie et des paroles d'espoir. Nous devons comprendre gradation, évolution. Lors dans le désert, chercher bon Dieu. Lors chercher bon Dieu, on pourrait rentrer dans la deuxième phase qui s'efface la contemplation de la gloire de Dieu. Une fois on entre dans la phase contemplation, regardez, l'orange, c'est débordé, le pral débordé dans la vie, ou c'est débordé, le pral débordé sous cœur. Et pour ces retours après, ces paroles l'espoir qui a parlé, ces paroles la vie, ces verbes au futur qui a conjugué. Parce que tout simplement, dans la contemplation, bagaille ont changé, mes bien-aimés. Ma courage au assouya. Bon chant, nous aimons chanter. Quand le vol de la tempête, alléluia, vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Rentrez dans la contemplation, rentrez dans le sanctuaire bien-aimé, qu'il en soit ainsi et que Dieu vous bénisse. Merci pour fidélité au Seigneur. Merci parce que parole ou toujours gagne pile provision pour petit tout. Parole au Seigneur Dieu, son source intarissable. Nous pas jambe qu'à fin sonder profondeur, Seigneur, parole. Intelligence nous pas assez, même si nous t'as appliqué toute vie, nous pour nous pénétrer parole. Nous pas jambe fin sonder. Il est tellement riche, il est tellement, Seigneur Dieu, profond. C'est un trésor, Seigneur, qui pas jambe fini. Assoyez, Seigneur Dieu, rappelez-nous pour nous rester dans la contemplation de ta gloire. Au beau milieu du désert, Seigneur, ouvrez pour regard nous ces vers ou même les tourner. Ou pas voulez-nous absorber par problème. Ou pas voulez-nous absorber, Seigneur Dieu, la difficulté qui est autour de nous. Oui, nous devons reconnaître le problème. Oui, nous devons acknowledge. Nous ne pas dans déni de la réalité. Mais en même temps, ou pas voulez-nous absorber. Ou voulez, Seigneur Dieu, le nous parler devant, nous parler derrière, pour nous rentrer dans la contemplation. Même Jean-David Tefel, au beau milieu du désert de Juda. Seigneur, aidez-nous à appliquer parole ça. Nous voulons ouais gloire dans mitan désert et nous comprendre Seigneur Dieu le plus souvent c'est dans désert même où ba nous rendez-vous c'est dans désert même où choisir rencontrer nous parce que c'est dans désert le plus souvent gain attention nous Seigneur gain une petite fille ou petit garçon qui besoin visite mon petite fou mon petit garçon Seigneur qui besoin rencontre dans le désert ma prière s'il te plaît Père manifeste ta gloire ba un témoignage Seigneur à petite fille ça, petit garçon ça, qui a cherché au Seigneur, qui a besoin de toucher, nous connaissons là, et on va manifester présence au Seigneur au beau milieu du désert. Merci pour ta parole, merci pour ce moment, au nom et par l'ennemi, mais mérite de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen.